Et donc salut tout le monde, c'est Snir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man. Je vous avais fait il y a quelques temps une vidéo sur toutes les tenues disponibles dans le jeu et comment les débloquer. Si ça vous intéresse, allez voir dans la playlist ou sur la chaîne, vous trouverez la vidéo sans problème. Eh bien, il existe une tenue secrète, une tenue cachée qui n'est pas visible dès le début et je vous explique comment la débloquer dans cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas intéressé sur comment la débloquer, allez voir directement à la fin de la vidéo pour voir à quoi elle ressemble. Pour la débloquer, il va falloir prendre des photos secrètes sur la map, des photos qui ne sont pas affichées. Il va y avoir une petite technique quand même, je vous explique ça tout de suite, il y en a 50. La petite technique pour les afficher, c'est d'arriver au niveau 50. Et dès que vous êtes au niveau 50, dans les modes de tenue, attention, pas les pouvoirs, bien les modes, vous avez un nouveau pouvoir, un nouveau mode qui est tout en bas, qui est ici, capteur de proximité, qui va vous permettre d'afficher les photos, mais uniquement sur la minimap. Ce ne sera pas affiché sur la grande map, donc si jamais vous voulez prendre les 50 photos, il faut quand même suivre ma vidéo. Et par contre, ce sera très très utile pour trouver certains endroits où il n'y a pas beaucoup de repères visuels. Je vais essayer de vous en donner le maximum, mais il y en a certains, c'est pas évident à trouver parce qu'ils sont bien planqués. Et donc, si vous êtes au niveau 50, prenez ce capteur, c'est très précieux. Donc on va y aller, je vais vous montrer l'emplacement et comment prendre ces 50 photos. Elles sont bien paumées un peu partout dans tous les quartiers. Et dès que vous aurez pris les 50, eh bien, vous pourrez tout simplement débloquer cette tenue. On y va, c'est parti. Et dernier truc, ne suivez pas les numéros qui vont s'afficher, ils ne sont pas dans le bon ordre parce que j'ai monté les passages pour faire un chemin logique à travers les quartiers afin de ne pas perdre du temps à voyager de gauche à droite, donc ne suivez pas les numéros à l'écran. Donc on y va pour la première photo, on commence par Harlem tout en bas à gauche, ici, n'hésitez pas à mettre pause ou même à revenir en arrière pour bien voir sur la carte où c'est. Des fois, c'est pas évident. Donc là, c'est facile à voir. C'est le gros bâtiment qui est ici, la coupole qui est au-dessus. Alors des fois, les photos sont un peu pénibles à prendre. Il faut être suffisamment proche, mais pas trop loin non plus. Donc, vous voyez ici, je suis trop près. Avant, j'étais trop loin. Donc des fois, il faut se balancer ou trouver le bon endroit pour prendre la photo. Vous pouvez prendre la photo quand c'est vert. Et n'oubliez pas de prendre la photo. Des fois, on oublie. Et après, il faudra que vous refassiez toute la liste. Vous allez perdre du temps. Voilà pour la première photo. On continue en remontant un petit peu au-dessus, en longeant la côte. Ici, vous voyez le pont. Eh bien, ce sera juste avant dans l'usine. Il faut prendre en photo la fenêtre à côté du mur. Une photo pas très utile et bien planquée, celle-ci. On va continuer toujours un petit peu plus haut, en direction du cimetière, mais juste avant, juste après le pont, en fait. Vous avez une toute petite église, un petit clocher, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous voyez le pont qui est ici. Et voilà, juste ça, il faudra le photographier. On continue en direction du cimetière. Ici, eh bien ce sera simplement la façade de l'église à prendre. Là, très facile à trouver celui-ci. La photo suivante se trouve juste derrière. J'aurais pu même ne pas vous montrer la carte puisqu'il suffit de se retourner et d'avancer un petit peu pour être suffisamment proche, c'est les tags et les graffitis qui sont au-dessus de l'immeuble, juste en face de l'église. Ensuite, on va avancer dans le cimetière, tout au nord de la carte. Et vous l'avez sûrement deviné, si vous avez déjà suivi les vidéos de la playlist que j'ai fait pour débloquer tous les trophées, il faut prendre en photo bien la tombe de Ben Parker. Si jamais vous n'arrivez pas à la trouver, allez voir ma vidéo sur le trophée, elle est dans la playlist. Et la playlist, vous trouverez les liens facilement dans la description ou dans les annotations. Ensuite, on va partir un petit peu sur la droite du quartier. Essayez de bien regarder l'immeuble que je cible, en général c'est le bon. Et regardez également ma minimap, ça vous donnera beaucoup d'indications. Vous voyez qu'ici, on voit le pont rouge qui est ici. Il faut trouver les deux immeubles et c'est au milieu des deux immeubles. Faudra photographier, non pas le drapeau ici, mais les motos qui sont juste à côté. On va continuer en redescendant un petit peu plus bas, au milieu du quartier d'Harlem. Faudra trouver le bâtiment où il y a des photos d'Osborne. Vous pouvez utiliser également la rame de métro qui est ici pour vous repérer. Et la photo se prendra de l'autre côté du bâtiment où il y a l'entrée en fait. Ici de nouveau des photos et c'est la devanture du magasin qu'il faut prendre. On descend
quasiment à Central Park, dans le coin en haut à gauche de Central Park. C'est la petite place qui est dans ce coin qui nous intéresse. Et vous l'aurez deviné, c'est la statue qu'il faut prendre en photo. On continue en remontant un petit peu dans le quartier. En restant sur la gauche, repérez bien où est mon curseur. Il faudra trouver un grand bâtiment rouge. Vous pouvez repérer la tour en croix qui était sur ma gauche. Il faudra prendre la devanture de ce bâtiment en briques. Ensuite, on retourne tout à droite du quartier. C'est vrai que celui-là, j'aurais pu le faire avant, mais c'est pas grave. Donc à cet endroit-ci, ce sera le dernier du quartier d'Harlem, du moins la dernière, car c'est qu'une photo. Donc voilà, il faudra trouver un grand espace entre plein de bâtiments. Et c'est les jardinières au bout, dans le coin, juste ici, qu'il faut prendre en photo. Du coup, on va descendre en dessous à Upper East Side. On commence quasiment tout au-dessus du quartier, un petit peu à droite de la rame de métro. Pas beaucoup de repères visuels, il y a la mer là-bas. Et c'est par contre, eh bien, ici, vous avez un petit renfoncement avec une petite terrasse. Il faudra aller à l'intérieur de la terrasse et la photo à prendre, ce sont sur les panneaux en bois Black Wind Tavern. On va tout à gauche du quartier, presque à Central Park. Un petit peu en haut d'ailleurs de ce quartier. Il faudra repérer la route qui descend en bas de Central Park. Et c'est juste en face, vous avez un musée, le musée latin, avec un super camion qui passe devant. On revient au milieu sur la grande avenue. Toujours du quartier Upper East Side, à peu près au milieu. Il faudra repérer deux gros bâtiments et un troisième. C'est facile à voir, puisqu'au centre, il y a un gros trou avec une fontaine. Et c'est cette fontaine qu'il faut prendre en photo. C'est pour ça que je l'aime payer. On continue en bas à gauche du quartier. Celui-ci est un petit peu paumé au milieu des immeubles sur la carte. C'est pas évident de le voir. C'est pour ça que si vous avez le niveau 50, il faut prendre eh bien, l'atout. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Il faudra trouver la bibliothèque, du moins la librairie en anglais. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu les alentours, mais c'est pas évident. Essayez de bien regarder sur la minimap également avec les rues. Vous allez peut-être pouvoir trouver. Il faudra prendre, bien sûr, la devanture de la bibliothèque. Et donc, on va enchaîner ce coup-ci avec Central Park, avec presque au milieu un étang qu'il faudra trouver. Donc ils ne sont pas affichés sur la carte, les étangs et les lacs, mais pourtant il faudra bien le trouver. Le pont peut vous repérer, mais c'est la petite cabane qui est ici qu'il faut prendre en photo. On remonte un petit peu et sur la gauche de Central Park, avec ici un monument facile à repérer. Il s'agit du château. Il y a une quête, me semble, secondaire à faire dans ce château. Voilà, tout simplement. On revient un petit peu plus haut ici face à la grande maison. Non, c'est pas une maison, c'est un musée, hein, me semble. Voilà, il y a un obélisque et il faut prendre cet obélisque. Facile à repérer celui-ci, aucun problème. On continue tout au-dessus, à gauche de Central Park, avec ici un petit monument. On peut le voir sur la carte, c'est un carré. Le voici, c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, on passe à Upper West Side, tout au-dessus du quartier. Ici, il y a un trou entre les immeubles. Ça vous aidera à vous repérer. Il faut y aller. Voilà, donc c'est une usine Oscorp, il me semble. Et il faut prendre en photo la porte qui est sous un des immeubles. Il faut être assez précis pour prendre la photo. Vous voyez qu'ici, ça ne marche pas. Il faut prendre un petit peu l'escalier. Ensuite, on va redescendre un petit peu à droite du quartier. Repérez-vous également aux icônes de recherche, des trucs comme ça, les casernes de police, les défis, ça peut vous aider. Ici, il faudra trouver la caserne de pompiers et notamment le camion de pompiers qui ne bougera pas, ne vous inquiétez pas, il sera là. Il suffit de le prendre en photo. On va ce coup-ci sur la côte, au-dessus quasiment du quartier. Il va y avoir trois trucs à prendre sur cette plage, sur cette rive. La première chose, c'est le bâtiment qui est ici. Il y a les cours de tennis derrière que je vous ai montré juste avant pour vous repérer. Ensuite, on descend, continue toujours sur cette rive. Tout petit peu plus bas, assez facile à voir également la suite. Ce sera la statue sur une place. Elle est bonne. Et on continue encore à descendre un tout petit peu plus bas avec un truc encore une fois très visible. Ce
ce grand pylône qui est ici. Aucun problème pour ça. On passe maintenant à Hell's Kitchen, tout au-dessus, à droite, dans l'angle. En fait, c'est de nouveau une place du Central Park. Et c'est de nouveau la statue au centre du rond-point qu'il faut prendre en photo. Cool. On va maintenant tout à gauche sur le port. Il faudra trouver une usine avec une devanture. Il y a un pirate. Voilà, avec marqué grain. Il faut prendre la photo de la devanture, mais il faut être suffisamment proche. Vous pouvez vous mettre sur le lampadaire juste devant. C'est parfait. Ok, maintenant on va tout au milieu du quartier. Repérez bien le grand monument et le repère de démon. Ça vous sera utile parce que celui-là n'est pas évident à trouver non plus. Très peu de repères visuels. Voilà, regardez bien ma mini-map, c'est entre le grand monument et les démons. Et c'est un truc qui sera lié à la vidéo des easter eggs. Je vais faire une vidéo sur les easter eggs de ce jeu, il y en a plein. Abonnez-vous pour la voir. Il sera diffusé dans les jours à venir. Il faudra prendre la devanture de ce petit magasin, Nelson et Murdoch. C'est lié à Daredevil. Notamment la série Netflix de Daredevil. On continue tout en bas du quartier, un petit peu à gauche. C'est un petit peu en hauteur sur un passage piéton qui est ici. Vous pouvez le repérer assez facilement. Et c'est la grande fresque qui est ici avec un gobelin qui a des ailes. On passe maintenant à Midtown. On aurait pu partir en bas, mais j'ai décidé d'aller à Midtown. Donc vous voyez la grande avenue qui est ici. Vous la repérez assez facilement. Mon icône est un petit peu à droite. C'est Times Square. Eh bien, à Times Square, il ne faudra pas prendre en photo les écrans. Mais au-dessus d'un immeuble, il y a une petite coupole. Il faut aller s'en approcher pour prendre la photo. La voici, il suffit d'être suffisamment proche, mais pas trop, comme d'habitude. Ensuite, on monte tout au-dessus, à droite. De nouveau, une grande avenue qui peut vous aider à vous repérer. Il faudra trouver un immeuble avec un gros trou au milieu. Et au milieu de ce trou, il y a un arbre. C'est cet arbre qu'il faut prendre en photo. Tout à droite du quartier, avec un repère de sable pas très loin. On va voir la mer et deux grandes tours qui sont ici. Celui-là est assez facile à voir. C'est la fresque de poisson qui est ici. Il faut s'en approcher un petit peu pour pouvoir la photographier. On continue ce coup-ci à Chinatown avec vraiment, mais tout dans l'angle, tout en haut à gauche. Celui-ci, il n'y a pas de souci. Ce sera entre tous ces immeubles-là. Il va y avoir de nouveau une fontaine, du moins une statue, mais pas une fontaine. Ensuite, on va partir un petit peu sur la droite en direction des bâtiments en croix. On ira vers ces bâtiments en croix juste après. Mais là, c'est un petit peu plus sur la gauche. Assez dur à trouver si vous n'avez pas l'atout, lui, parce que très peu de repères. C'est l'affiche de cinéma orange qui est ici. Voilà, regardez bien la mini-carte. Ensuite, au milieu de tous ces immeubles en croix, les fameux, présents dans nombreux jeux, notamment GTA, etc. Et tous les jeux qui se passent à New York sont toujours représentés. Eh bien, c'est la fontaine au milieu. Il faut arriver à prendre la photo au centre. Donc, il faut être un petit peu surélevé. Moi, je vais galérer là pendant quelques secondes. Avant d'arriver à prendre la photo. On continue un petit peu sur la gauche du quartier, au milieu. Il faudra repérer la grande avenue qui est ici. Puis au moment, vous avez presque au bout de l'avenue un magasin qui s'appelle Léo. Il y a une quête secondaire, me semble, qui en parle, ou principale même. Ensuite, tout à droite du quartier, vers le pont. Il faudra aller en dessous de ce pont. Le voici, ce pont. Eh bien, il faudra prendre en photo le grillage qui est juste ici. Et on va enchaîner directement sans la carte en remontant le pont. Il va y avoir une porte, ou ce que les gens appellent arc de triomphe. La voici, et bien il faut aller la prendre en photo. On va continuer tout en bas de Chinatown. Repérer un petit peu le truc de police si jamais, pour vous repérer ça peut être utile.
Parce que justement, c'est ce qu'il faut prendre en photo. Au-dessus du nom police, les ventilations. Oui, les ventilations. Et ensuite, on se retourne juste dans la rue. À côté, il va y avoir une autre photo. Derrière cet immeuble, une peinture de Rhino. Belle image. Ensuite, on passe au quartier des affaires. On ira à Greenwich après, tout au-dessus, à droite. Vous avez de nouveau une grande avenue à repérer si jamais vous n'avez pas les petits icônes. Il faudra repérer ce grand immeuble rouge. Et il y a un petit ange, j'allais dire un ange, mais non, c'est un petit bonhomme en or qu'il faut photographier. Tout au centre du quartier des affaires, de nouveau en face de la police. Celui-là, il est assez facile à remarquer, il y a une grande place. Et il faut prendre la statue sur la place. Tout en bas du quartier des affaires, ou presque, on ira un petit peu plus bas encore. Ici, il y a une avancée assez facile à repérer. Et ce qu'il faut photographier, c'est le gros chien qui est au bout de ce triangle. Ensuite, on va tout en bas, ici. Mettez-vous bien au même endroit que moi, parce que je pense que c'est là qu'il faut être pour être suffisamment proche, sinon vous ne pouvez peut-être pas prendre la photo. C'est bien sûr la statue de la liberté. Ah, ça, c'était sûr qu'on allait avoir une photo. J'aurais pensé même au même vrai monument. Ensuite, on va remonter en longeant un petit peu la côte. Ici, il va y avoir deux photos, notamment ce bâtiment précis que je cible. Et un petit peu le tour, et c'est les décorations avec les fleurs qu'il faut photographier. Ensuite, on continue juste après. Vous le voyez sur la minimap, il y a une sculpture à prendre en photo juste ici. Magnifique. On remonte encore presque le long de la côte. C'est un petit peu plus à l'intérieur, du moins en haut à gauche du quartier. Il va y avoir un théâtre. Je ne prononce pas le nom du théâtre, je ne vais pas y arriver. Ensuite, presque fini, on va en direction du port, vers la petite avancée qui est ici. Il faut photographier simplement l'entrée. Il faut être assez proche. La voici. Et donc, on va passer au dernier quartier, Greenwich. Quasiment tout au centre de ce quartier, ici. Il faudra trouver la station d'essence. Photographier le tag qui est au-dessus. Elle est bonne. Ensuite, un petit peu plus sur la gauche, un petit peu plus loin, bien caché mais facile à voir parce qu'il y a plein de couleurs. C'est l'arc-en-ciel, qui est entre les deux immeubles. Avec un truc de basket en face, voilà. Superbe. Et donc le dernier qui est ici. Tout à gauche, c'est un musée assez facile à trouver. Il suffit de photographier le mot moderne. Et donc, une fois que cela sera fait, vous aurez débloqué toutes les photos. Vous aurez débloqué également la tenue. On va tout de suite voir à quoi elle ressemble. Et donc, voici, elle est apparue et c'est une tenue en t-shirt avec un simple masque. Pas n'importe quel t-shirt, puisque c'est le t-shirt de l'Empire State University. L'université de Peter Parker. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à son université, au t-shirt que l'on a dans les universités pour porter les couleurs. Donc voilà, une tenue cachée, pas la meilleure tenue, j'aurais peut-être préféré une tenue un petit peu plus rare, un petit peu plus remarquable pour un truc où il faut photographier 50 machins à peu près partout dans la ville. Mais bon, c'est pas grave, aucun trophée lié à cette tenue, juste l'exploit de l'avoir fait. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire, à regarder la playlist de toutes les vidéos que j'ai fait pour vous aider à débloquer le jeu à 100% et le trophée platine, à m'aider sur Tipeee pour les prochains jeux, j'ai besoin de vous. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.